Salut à tous, c'est Oriska. Voilà, je suis DJ productrice en France et à l'international. Et je vais répondre à vos questions. Ah, old school ou new school, bon, je serais plus tendance à être en new school, mais parfois, old school, c'est pas mal, ça fait du bien. Oh, ça n'a rien à voir. On peut pas dire les deux. Famille. Les deux, ça dépend. C'est-à-dire que je peux être très seule dans le travail que je fais parce que je suis seule devant les platines, mais après, avoir une équipe pour tout ce qui est autour, c'est bien aussi. Électro. Remix. Oh, c'est horrible cette question-là. C'est les deux choses que j'adore le plus. Pizza ou sushi? Allez, je vais dire pizza pour mes origines italiennes. Oh, ça dépend de mes humeurs et le problème c'est que je peux regarder soit l'un soit l'autre et comme je change d'humeur, enfin je suis tout pour rien, les deux. Ah, bah France parce que c'est mon pays, Mexique parce que c'est le pays le meilleur que j'ai pu faire en termes d'ambiance en tant que DJ quoi, vraiment. Ouais, je suis plus chat, alors je dirais chaton. Non, ça dépend. Pour mon travail, c'est un peu des deux, de l'improvisation et de la préparation quand même. Couche tard. Travailler tard, je peux pas me lever tôt, j'ai du mal. Cocktail. Call of Duty, bien évidemment, FIFA, allô, c'est naze, FIFA, en plus, il y a juste un terrain avec, t'as plus trois ronds carrés, tu vois un mec qui court, aucun intérêt. Ah, je pense que les gens étaient plus heureux dans les années 90. Bah, timide, de base, timide. Et après, quand je connais, bah, j'y vais, quoi. Ah bah, un geek, allez. Ça dépend de mon humeur, de mon moral. Si j'ai un bon moral, le verre est à moitié plein. Si j'ai un moral dans les chaussettes, le verre est à moitié vide. Ah, plus créateur. Rien à voir. Allez, live, parce que là, il y a beaucoup plus d'adrénaline, quand même. Bah, ça dépend où tu vas. En France, je te dirais, avec un micro, t'as pas le choix. Oh bah DJ, c'est plus classe, DJ, ça fait un peu DJ. Je sais pas, c'est pas beau. Le conseil que je pourrais donner, je dirais, ne lâchez pas.